Donc, la direction m'a confié la refonte de la politique achat pour l'ensemble du groupe et de ses filiales, et j'aimerais que tu m'aides sur cette mission. Nous devons rendre un avant-projet dans une semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah c'est nouveau. C'est toi qui diriges la politique achat maintenant? La direction m'a confié une mission de réorganisation. Oui, bah si les achats pouvaient bouger dans la semaine, ça serait. Il y en a plein d'autres qui ont essayé et qui connaissaient encore mieux la maison et ils se sont tous plantés. Même nous, aux achats, on a essayé. Et ça fait 5 ans que j'y suis, hein. Je sais de quoi je parle. Et puis s'il y a des process aujourd'hui, c'est qu'il y a une bonne raison. Il y a des gens très intelligents qui se sont penchés sur la question. Et nos process viennent de plusieurs années de réflexion et d'expérience. C'est pas en une semaine que tu vas faire mieux. D'après toi, qu'est-ce qui a manqué lors des dernières tentatives? Bah tout. Déjà, personne n'est motivé pour changer. On a des procédures un peu lourdes, d'accord, mais elles sont efficaces. Et puis surtout, on n'a jamais été suivi par la direction. Et on n'a jamais obtenu les moyens pour mettre en place nos recommandations. C'est donc les moyens qui ont manqué? Les moyens et la direction. Tous les ans, elle veut réorganiser un service. Cette année, c'est nous. L'année prochaine, ce sera un autre. Mais c'est juste pour nous occuper. Ils n'ont pas l'intention de faire bouger quoi que ce soit. Je peux me tromper, mais d'après ce qu'ils ont mis sur le tapis, ça va changer. En tout cas, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'à une époque, il était très difficile de faire évoluer les choses. Il y a eu un changement, et depuis peu, nous avons de nouveaux moyens qui vont nous permettre d'aborder les choses différemment. Un changement? Oui, c'est l'objet de notre prochaine discussion. Je te dirai ce qui a changé, les nouveaux moyens mis à notre disposition. Et avec ton expérience et ta connaissance du service, tu me diras ce qu'il est possible de faire. Mais tu dois me dire d'abord si le projet t'intéresse. À ce stade-là, je ne veux travailler qu'avec une seule personne. Oui, c'est intéressant. Mais ça dépend ce qu'on nous donne comme moyen. On en parle demain, 9h. Ok, demain 9h.